Alors pour recadrer un petit peu le sujet, je rappelais un peu l'origine. La marque a souhaité, dans les politiques commerciales 2015, intégrer un item sur les centres d'appel. Jean-Charles le disait tout à l'heure qu'il y avait une tendance de la marque à externaliser un certain nombre de prestations. Et je crois que c'est même Tavares qui a évoqué ce sujet avec les représentants du groupement. Donc en gros, ils ont dit, est-ce que Unicap peut traiter le sujet des centres d'appel? Donc on s'est retrouvé avec un bébé qu'on ne connaissait pas, et on a commencé à regarder en quoi ça consistait. Donc la première démarche a été de se poser la question, faut-il un centre d'appel interne ou externe? Et sur scène, logiquement, vous avez la réponse à cette question. On a commencé à visiter et à rencontrer tous les prestataires qui étaient dans le réseau. Il y avait une douzaine de prestataires qui fonctionnaient sur les appels principalement après travaux, puisque c'était déjà un item qui était dans votre politique commerciale. Et là, on a découvert un métier. On a découvert ce qu'était un appel abouti. Qu'est-ce que c'est qu'un appel abouti? Qui est complètement différent d'une proposition à une autre. C'est-à-dire que c'est un message sur un répondeur, est-ce que c'est un message abouti? Oui, non. On a découvert des politiques de prix complètement différentes. Et puis en avançant un petit peu, à force de discuter avec ces professionnels, on s'est aperçu que il y avait plein d'autres sujets autour du centre d'appel. On est parti non pas de la définition du lead, je me rappelle la première réunion que j'avais faite, c'était, j'avais repris des cours et j'avais expliqué ce qu'était un lead. Et là, un lead, ce n'est pas simplement un lien Internet. Un lead, c'est un contact. Donc c'est une carte de visite laissée dans un hall, c'est un appel qui vient sur le standard téléphonique, c'est un message laissé sur Internet. Et là, je me suis aperçu que, en rencontrant ces prestataires, qu'il y avait un vrai problème. La première découverte, ça a été que environ 40% des appels étaient perdus en après-vente. Pas au premier niveau, mais au deuxième. Et que ça représentait des sommes phénoménales. On s'est aperçu après que, il y avait une approche d'appel sortant sur un certain nombre de métiers, mais pas sur d'autres. Donc on a fait ce travail, donc on a été visiter les centres avec le GCAP, les centres d'appel existants dans le réseau, et on a vu des structures assez différentes. Premier choc, ça a été, mais c'est un métier où il faut des gens formés. Et ce n'est pas des gens qu'on a dans nos concessions, enfin dans vos concessions, excusez-moi. Ce sont des profils particuliers. Des gens qui passent leur temps derrière des écrans avec un téléphone, qui sourient toute la journée, donc on s'est dit, mais comment ils font? Puis après, on s'est dit, mais il faut un outil. Et ce n'est pas vos DMS, ni aujourd'hui l'outil constructeur qui fait faire des appels. Donc on arrive à la conclusion qu'il fallait aussi un outil. Et puis après, on s'est dit, mais l'outil, très bien, mais il faut des informations. Et les informations, d'où elles viennent? Et c'est là qu'on a défini qu'il y avait des informations qui venaient du constructeur, mais que vous aviez aussi vos propres informations. Et sans parler de groupes multi-activités ou multi-marques, on s'est aperçu que la relation client, c'était simplement colossal. Simplement colossal. Donc il y a eu des discussions pendant des mois entre le groupement et la marque pour déjà, dans un premier temps, quantifier ce qui était la première étape à atteindre. Donc a été défini, dans le cadre des négociations Polkom avec la marque, un certain nombre d'appels. Donc on est parti principalement sur la prévente. C'est ce premier travail qui a été fait. Et là, je pense que pour la première fois, on a vraiment travaillé, et je remercie Julien Pelzer de représenter la marque aujourd'hui, main dans la main sur toute cette problématique. C'est-à-dire, il y a la partie technique, mais il y a aussi l'ampleur du sujet. Parce que ce que vous faites aujourd'hui, ben, je pense que l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, ben, vous mettrez la barre encore beaucoup plus haut. Donc c'est pour ça j'ai voulu un plateau très très relevé pour avoir un petit avis et une petite orientation de façon à ce que, à la fin de cette conférence, pour ceux qui sont plus ou moins avancés, vous ayez une vision des différents items et de toutes les pièces de ce fin puzzle. Et je peux vous assurer qu'il est assez large. Alors, on va commencer par poser la question aux deux prestataires externes qui ont mis en place déjà un certain nombre d'appels, puisque donc CRC Affaires de Contact travaille maintenant dans le réseau depuis, même s'il travaillait déjà avant, dans ce contexte-là, sur un certain nombre d'appels avec des scripts, avec la marque. Donc, je vais demander à Pascal Gautron de commencer, de me dire un petit peu aujourd'hui, il a mis en place les appels principalement après travaux. Comment ça s'est passé? Quel problème il a rencontré, sachant qu'il avait l'habitude de le faire dans d'autres marques? Bonjour à tous. Donc, effectivement, je dirige ce centre relations clients. C'est une entreprise que j'ai créée il y a 28 ans et on a 3 centres d'appel en France, à Dijon, Lyon et Autun. Et depuis la création, on s'est orienté dans le monde automobile. Et donc, nous travaillons avec tous les constructeurs français. Nous avons des contrats nationaux. Donc, c'est un univers qu'on connaît bien. Alors là, à votre question, Peugeot, dès 2007, avait mis en place les contacts après travaux. Et donc,
c'est quelque chose qui est très huilé, qui fonctionne bien, etc. Donc là-dessus, il n'y a pas de novation particulière. On appelle les gens dans la semaine et on a 95% de taux d'accord. On arrive à joindre les choses. Les choses sont très faciles et ça fonctionne très bien. Et donc, dès qu'il y a une note qui est défavorable, eh bien, on envoie un lead. On appelle ça un lead chez nous. C'est une fiche pour que l'affaire puisse traiter le sujet et éviter d'avoir une mauvaise note lorsqu'il y aura le contrôle final du constructeur. Donc ça, globalement, on pourrait dire que ça, c'était le socle chez nous de nos relations avec Peugeot. Et Peugeot, voire même Citroën, dans ma connaissance du monde automobile, était en retard par rapport aux autres constructeurs, notamment par exemple avec Renault, qui était innovateur. Et donc, lorsque nous avons été consultés pour le dossier Unicap, tout de suite, vous êtes mis au même niveau que les autres constructeurs, même plus, en termes d'exigence du constructeur. Actuellement, donc, nous faisons des appels travaux, je les ai décrits, nous faisons des appels en B2B, business to business, pour qualifier et prendre des rendez-vous dans le monde Peugeot, et également en APV. Alors, quelques mots sur l'APV. Par rapport à nos connaissances de cet univers automobile, la première surprise, c'est que sur 100 appels, on a 25 rendez-vous. On est deux fois et demi supérieur à ce que l'on rencontre ailleurs, donc ça fonctionne très très bien. Mais je ne voudrais pas être trop long d'ailleurs, excusez-moi, mais il y a un tel niveau, vous l'avez décrit, M. Hayet, il y a un tel niveau de mise en place de ce système. Aujourd'hui, la grosse problématique, c'est l'interface avec les outils Peugeot, parce que nous sommes un métier et nous avons besoin d'une fluidité de l'information et aussi, surtout, une colonne vertébrale. Et pour l'instant, on a plusieurs applications. Mais là, je laisse à Fabrice ce soin de le décrire. Alors justement, Fabrice, est-ce que... Bon, Fabrice, Affaires de Contact, c'est un peu le spécialiste des appels contrôle technique, pré-contrôle technique, puisque je crois que Affaires de Contact faisait ses appels pour la marque depuis des années. Un éclairage particulier, est-ce que ce sont les mêmes problématiques ou est-ce que... Ah, ce sont les mêmes problématiques. En gros, le métier, donc, Affaires de Contact, nous, on travaille depuis 2007 pour le réseau. Donc, on travaille pour les bleus, pour les rouges, on travaille pour... On a 50 personnes qui travaillent en CDI pour Peugeot, pour PSA en général. Et donc, on fait tous les types d'appels. Et la grosse problématique, c'est des humains. Donc, comme on le disait tout à l'heure, vous en parliez, c'est un métier complexe qu'il faut des humains. Il faut des humains qui savent... qui vont savoir émettre des appels, des humains qui vont savoir recevoir des appels. Ceux qui savent recevoir des appels ne savent pas obligatoirement les émettre. Ceux qui savent les émettre, eux, par contre, peuvent en recevoir, mais donc c'est déjà difficile à gérer. C'est des petites quantités par point de vente, mais ça peut être des grosses quantités quand c'est en national. Donc c'est toute une architecture, effectivement. La difficulté qu'on pourrait rencontrer, c'est la fluidité des outils, l'interconnexion entre nos systèmes de téléphonie et de prédictifs qui sont... des moyens d'être efficaces et productifs, et le transfert de l'information de nos systèmes vers les systèmes du constructeur, vers vos bases CRM, vers vos DMS, qui sont nombreuses et variées, je dirais. Donc voilà. Et après, on boucle sur le sujet interne ou externe, ou on continue à parler de la généralité pour l'instant? Non, merci en fait de l'éclairage, puisqu'on va revenir effectivement avec l'éditeur sur la partie outils. Donc là, c'était le premier cas, vous externalisez vos appels. Et là, je voudrais reposer la question à Robert-Claude sur la philosophie, avant de rentrer dans revenir dans la technique, sur la philosophie qui l'a amené à mettre en place un centre d'appel, avant que tout le monde en parle, avec tout son pragmatisme et puis ses résultats surtout. La philosophie, ben, je ne vais pas être très original. On a commencé en 2008. On a commencé par un constat assez simple, c'est qu'on a des sommes d'informations qui rentrent à peu près de tous les côtés dans des concessions, principalement par la prévente d'ailleurs, et qu'on avait beaucoup d'outils nous aussi qui ne communiquaient pas, et donc une déperdition à peu près aussi grande, il en rentrait, on en perdait à peu près autant qu'il en rentrait. Donc ça, c'était le premier constat. Le deuxième constat, moi, c'est l'idée de base que j'ai toujours eue et que j'ai mis en place, c'est de vouloir absolument professionnaliser le premier contact que pouvait avoir un client avec une concession. Pour deux raisons. La première, pour éviter la déperdition, parce que quand on a un seul point d'entrée, eh bien, on peut tout de suite repérer, créer un client dans le CRM, savoir ce qui s'est passé, lui poser les bonnes questions, renseigner la fiche, etc. Ça, c'était le premier point. Et deuxième point,
On sait tous que notre seule richesse aujourd'hui sont nos fichiers, que vous l'avez dit aussi. La grande problématique qu'on a, c'est qu'on a beaucoup de points d'entrée, beaucoup de soft qui gèrent ces points d'entrée, qui ne communiquent pas entre eux. On a les informations d'un côté qui sont parcellaires, de l'autre aussi. Et on avait des déperditions parce qu'on recommençait éternellement, en permanence, les mêmes choses. Donc ça, c'était le premier point. Un, professionnaliser, parce que le téléphone, plus on avance, plus ça devient un métier. Qu'on a des forces de vente aujourd'hui à qui on demande de faire du commerce. Et que pour cela, il faut les débarrasser d'un certain nombre de choses et des choses pour lesquelles ils ne sont pas toujours formés. Donc le téléphone, c'est une arme redoutable, à double tranchant, ça peut être bien ou pas bien. La deuxième clause, je vous dis, c'est la traçabilité. Tout appel qui rentre doit nécessairement faire l'objet d'une trace. Mais ça ne suffit pas. Cette trace-là, ensuite, on doit pouvoir la mettre à disposition en temps réel aux gens qui font du commerce. Ça, c'est le troisième point. C'est j'ai une information, je la trie, je la documente et je la mets instantanément, grâce à un outil commun, à la disposition des forces de vente de l'autre côté qui peuvent avoir ce client ou ce prospect au téléphone ou physiquement en face d'eux, qui doivent avoir des informations, des observations. Donc, un, la transmission en temps réel de l'information, parce que ça, c'est quand même très important. La qualité de l'information, la qualité des fichiers. Et forcément, quand on met ça en place, au bout d'un certain nombre d'années, on a une réussite, parce que j'entendais les chiffres tout à l'heure. Alors, c'est pas une guerre de chiffres, mais au bout d'un certain temps, à l'après-vente, nous, on est à 44% de taux de rendez-vous aujourd'hui. Pourquoi ? C'est pas du miracle. C'est simplement, on fait 45, 46 000 appels par an. Et que le premier réflexe qu'on a quand on fait un appel, c'est de vérifier toutes les coordonnées du client, de rentrer toutes les informations qu'on peut avoir dans les zones d'observation qui sont faites à cet effet-là, et de s'en servir. Et on n'a pas un travail de call classique que vous pourriez peut-être avoir, parce qu'on a un énorme travail en amont, avant l'appel, et on a un énorme travail après de renseignement. C'est pour ça que je ne suis pas un stack analyse de l'appel. Ça m'importe peu qu'on fasse des volumes d'appels. Ce qui m'intéresse, c'est la qualité et la traçabilité. Alors, je suis d'accord avec vous sur tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire que je pense que c'est fini les centres d'appel qui vont avoir un taux de contact argumenté à l'heure, ce genre de choses. Aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, on parle avec les personnes, on interagit avec les personnes. Par exemple, chez nous, il n'y a pas de script écrit. Les gens discutent. En plus, ça fait. Nous, on a un taux de fidélité qui est très ancien chez nous. Nos agents, j'ai des agents qui ont 7 ans au téléphone. Ça fait 7 ans qu'ils appellent pour Peugeot. Et donc, ils connaissent les questions par cœur. Ils savent ce qu'il faut faire. C'est les questions, c'est l'âge du véhicule, le kilométrage, le projet d'achat, combien il y a de véhicules à la maison et à quoi ils servent les véhicules. Truc tout con, mais par exemple, le type qui vous dit « je vais à la chasse », quand il va aller à son rendez-vous avec le commercial, le rendez-vous qu'on a pris, c'est marqué « monsieur va à la chasse, il a 2 chiens ». Donc du coup, on a cette richesse et on essaye de transférer cette richesse aux personnes. Et quand on a quelqu'un en ligne, on s'occupe de lui et après on passe à un autre appel, que ce soit en réception ou en émission. Et ça, c'est la qualité première, à mon avis, d'un centre d'appel et de l'utilité d'un centre d'appel. Alors, ça, c'est effectivement, je ne dis pas que c'est mieux ou que c'est bien. Je n'ai pas de solution miracle. On la cherche toujours. La problématique qu'on a, c'est qu'on va juste un tout petit peu plus loin de vous. Pourquoi ? Parce qu'on est sur le même niveau et que nous, on a les mêmes informations, pas plus. Simplement, on s'assure qu'elles aillent à la bonne personne et on s'assure qu'elles aient été utilisées. Ce que vous ne pouvez pas faire, vous, c'est normal, parce que votre métier s'arrête après à la transmission. Et nous, on va aller plus loin. C'est pour ça qu'on a souhaité avoir un système intégré. C'est qu'on va beaucoup plus loin. On contrôle l'utilisation qui en est faite et les résultats. C'est-à-dire que moi, ce qui ne me suffit pas, c'est pas... Un rendez-vous, c'est très bien. Mais quand on est déjà organisé, qu'on a un nombre de rendez-vous suffisant, on passe à l'étape suivante, c'est-à-dire la transformation du rendez-vous. Et donc, là où c'est très bien, c'est que nos filles du call, elles sont aussi intégrées dans le système, dans le processus de vente, parce que ça va jusqu'à la vente. Elles sont intéressées, elles aussi, financièrement, à la vente au bout. Donc, il y a une espèce de compétition qui s'instaure, de contrôle. Et puis, je crois que quand on dépense beaucoup d'argent à faire des opérations comme ça, on a le devoir, le droit d'être exigeant. Moi, je veux bien mettre tout l'argent qu'on veut, mais je veux savoir ce que ça va me rapporter exactement. Et c'est ça, on met de l'exigence à tous les niveaux pour être sûr qu'à l'autre bout, le vendeur qui, lui, a toutes les informations nécessaires pour aller au bout de l'affaire, et les filles, quand elles ont l'habitude, vous savez bien, chez vous, elles ont l'habitude, elles sentent les choses, et les gens sentent s'il y a vraiment un projet au bout, et quand ça ne va pas au bout, alors qu'on a senti qu'il y a un projet, il faut qu'on ait une vraie explication du pourquoi, du comment. Et donc, ça nous aide aussi à augmenter notre niveau d'exigence et nos forces de vente. Et donc, forcément, les résultats sont un peu meilleurs. Voilà. Juste un élément, parce que c'est un secret que je peux vous dire qu'à vous en tête à tête, c'est que nous, sur tous les leads qu'on transfère au réseau, mais ça on ne dit pas au réseau parce qu'il ne faut pas qu'ils le savent, on appelle derrière pour savoir si le commercial a bien fait son boulot, il a bien appelé, tout s'est bien passé.
pour justement suivre ça. Malheureusement, on n'arrive pas à rappeler les clients pour savoir s'ils ont acheté et on leur dit achète, achète. Mais bon, on y arrivera peut-être un jour. Alors, Roberto, je voulais un éclairage sur quelque chose que tu fais, qui nous a très surpris avec Jean-Pierre, on est venu te visiter. On parle petit commercial, réseau primaire, mais moi je pense que tu vas beaucoup plus loin et que tu vas même faire des appels pour ton réseau secondaire. Tu allais un peu plus loin, ça a mis beaucoup de temps de convaincre les gens qu'on leur pillait, qu'on les pillait pas et qu'on n'allait pas piller leur fichier, mais qu'on allait les aider à être plus forts. Aujourd'hui, on est dans une guerre, dans une concurrence exacerbée. On l'a connu depuis très longtemps sur le VN, sur le VO. C'est aujourd'hui également vrai sur la prévente. Si on n'appelle pas les clients, si on n'est pas en amont, on perd beaucoup de clients, y compris les agents qui ont une relation privilégiée avec leurs clients de proximité, un peu plus forte d'une concession. Mais même eux, aujourd'hui, font le même constat où des clients soi-disant fidèles, ben, ils arrivent à en perdre beaucoup. Donc on a créé une commission marketing avec nos agents, dans laquelle on a 92% d'adhérents, donc on a 100 agents, c'est facile de faire le calcul, et dans laquelle, moyennant vraiment une somme dérisoire, juste pour le principe, je crois que ça doit être 50 euros par mois, c'est rien du tout, on s'occupe de leur marketing à prévention. C'est-à-dire qu'on crée les opérations commerciales un an à l'avance, que l'on va faire ensemble. D'abord, ça nous donne un poids de communication quand on communique sur la même opération à 120 ou 130 points de vente. C'est un peu plus fort qu'à 10 ou 20 points de vente. Tout le monde a le même prix. On communique sur un prix identique. On s'occupe de leur PLV, de la conception, de leurs affiches, de leur banderole, de tout ce que l'on veut. On s'occupe de leur mailing qu'on envoie à leurs clients avec un repiquage à leur nom. Et ensuite, on fait du phoning et on prend des rendez-vous pour eux. L'année dernière, chiffre est simple, on a pris 1500 rendez-vous pour nos agents de pré-vente. C'est quand même pas rien. C'est des rendez-vous que peut-être ils auraient eu, peut-être qu'ils n'auraient pas eu. En tout cas, ils les ont eus. Et donc ça, c'est quand même une force, avec un détrompeur à l'entrée qui est très simple, qui nous permet d'éviter d'envoyer un rendez-vous à une concession quand c'est un client d'un agent. Donc, et ça marche. Et ça marche de plus en plus, à tel point qu'aujourd'hui, on va encore plus loin et on va encore avancer un peu plus loin avec eux, parce que de toute façon, quand on a un panneau, on représente la même marque, et que l'idée, c'est de rendre les mailles du filet un peu plus étroites pour que les poissons passent pas à travers. Merci. Alors, on voit bien que le sujet est vaste, et que ce qui se fait aujourd'hui, ce qui se fait déjà dans certains groupes, et que vous allez certainement intégrer dans vos approches commerciales de nouveaux items qui ne sont pas présents aujourd'hui. Alors, appel, externalisation. Donner, et là, Julien, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la position de la marque? Donc, c'est Monsieur Data et c'est l'homme qui doit faire fonctionner tous les outils ensemble. C'est pour ça qu'il en parle depuis pas mal de mois. Donc, quelle est un peu la vision de la marque sur l'outil, peut-être pas d'un point de vue commercial, mais surtout sur la cohabitation, tout ce qui vient d'être dit maintenant. Bonjour à tous. Donc, c'est vrai que la marque a beaucoup investi depuis 2012, notamment dans le projet CRM Manager. Donc, le projet CRM Manager, c'est la base de données qui se cache aujourd'hui derrière Commerce Box pour en faire la véritable base de référence de la donnée client. Je rejoins ce que disait Robert Claude tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, on veut vraiment donner au réseau une base de données 360. On a des bases de données qui sont un petit peu éparpillées entre le VN, la prévente, et tout ça ne participe pas à avoir une vraie gestion de la relation client. Donc là, le projet CRM, c'est vraiment de donner au réseau une base de données tout métier. Donc c'est d'actualité. Cette semaine, nous lançons donc les premières intégrations des données à prévente dans les bases CRM. Donc on va enfin pouvoir exploiter toutes ces données après-vente dans la base Commerce Box et avoir une vision multimétier. C'est important aussi parce que la base CRM Manager, c'est une base qui qualifie directement par les conseillers commerciaux, que ce soit VN et après-vente, c'est-à-dire les personnes qui sont en contact direct des clients. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous permet d'avoir les données les plus fiables et les plus récentes possibles. Donc tout ça doit nous amener à quoi ? Ça doit nous amener à avoir toujours des opérations marketing toujours mieux ciblées, et d'envoyer surtout le bon message au client, l'offre la plus adaptée et au bon moment. Donc on travaille vraiment dans ce sens-là. Les call centers nous rejoignent cette année et c'est vraiment une force, et je remercie encore Robert Claude de nous avoir donné ce modèle, puisque ça permet aujourd'hui au réseau d'assurer au moins, dans les campagnes nationales après-vente, au moins un contact qualifié par an, qui doit nous permettre donc en moins d'un an de requalifier tout le parc roulant d'un concessionnaire de 1 à 6 ans.
Et aujourd'hui, on a trop de déperditions dans nos cibles, trop de clients qui ne possèdent plus les véhicules, on ne peut plus contacter parce qu'on n'a plus le bon numéro, on n'a plus le bon email, et on doit toujours rester au contact du client, et le call center, c'est aujourd'hui sa vraie force, c'est ça. Merci. Alors, je suis en train de me dire, effectivement, il y a un gros travail qui est fait, on parle de données, d'informations sur les marques. Mais écoute, des groupes multimarques, j'entends plusieurs fois des groupes multimarques ou multi-activités qui ont à gérer aujourd'hui des informations qui viennent de différentes sources. Donc là, j'aurais à avoir l'éclairage de Société Digicontact qui a mis en place un centre d'appel sur un groupe multimarque, multi-activité et accompagné la mise en place d'un CRM spécifique. Donc c'est une question un peu de fond. J'aimerais bien m'expliquer un petit peu comment vous allez gérer à la fois cette problématique téléphonique, je crois, mais la partie intégration avec des CRM de différentes marques ou un propre CRM. Bon, justement, donc en fait, nous, on a réalisé récemment, hein, il y a 3-4 mois, un petit peu plus, peut-être 6 mois, l'intégration donc, d'un centre d'appel dans le groupe Tristan Chabrier. C'est vrai que la difficulté, en fait, c'est que leurs fichiers sont, on va dire, de toute forme et de toute origine. Donc c'est vrai qu'ils ont fait le choix d'un outil qui s'appelle Equinox, qui permettait, en fait, de concentrer, on va dire, toute l'information dans un CRM, on va dire, central. Nous, notre charge, c'était derrière de faire communiquer cet outil Equinox avec le centre d'appel. Donc on a mis en place des passerelles très très simples, de façon à ce que l'information elle transite très très vite, avec le moins d'interactions possible, on va dire, au niveau des superviseurs, au niveau des gens qui vont mettre en place ces campagnes, parce qu'on sait très bien que le nerf de la guerre, c'est de contacter le plus vite possible, sans forcément nécessiter un gros travail de préparation au niveau du centre d'appel. Donc on a cet outil-là qui va nous permettre donc, du coup, de centraliser les informations, et puis on a pris le problème, on va dire, de façon un peu plus large, c'est-à-dire qu'au niveau du groupe Tristan Chabrier, les gens sont... la direction s'est aperçue que les appels entrant, sortant, et on va dire l'ensemble des appels étaient plus ou moins bien traités, et on a du coup pris le problème directement dans les questions, en mettant en place des débordements, en mettant en place aussi des outils, on va dire, comme des centres d'appel, mais on va dire de façon plutôt transparente, qui vont juste permettre de mesurer, on va dire, la qualité de la prise d'appel, la qualité de la réception des appels à tous les niveaux de la concession, que ce soit au niveau de la réception atelier, que ce soit au niveau du standard, et ainsi de suite. Et tous ces appels-là, eh ben, on les collecte et on les renvoie en débordement, ou bien on les traite en local. Mais en tout cas, on va mesurer la performance de, on va dire, des agents, entre guillemets, pour pouvoir déterminer la déperdition d'appels. Et puis, ben, on essaye de remonter à chaque fois sur les écrans des agents ou sur les écrans des concessionnaires, enfin, des gens qui prennent les appels, de remonter la bonne fiche client qu'on aura enrichie et qui vont s'enrichir, puisque ben, c'est le nerf de la guerre, c'est vraiment enrichir l'information au maximum, mais tout en... en ne perdant pas de vue le fait que le métier, d'abord, c'est pas forcément de prendre de l'appel. Voilà. On a vraiment pris le problème de façon générale, en faisant évoluer la téléphonie dans les concessions, en faisant cohabiter la téléphonie concession avec le centre d'appel, et derrière avec un outil qui va mutualiser et, on va dire, standardiser, puisque c'est ce qu'il faut, c'est vraiment standardiser le format des fichiers et les origines des différentes informations. Merci. Alors, à tous vous entendre, un outil, si on veut monter un centre d'appel, il faut un outil. Ça me semble obligatoire, même si je crois que Robert Claude est parti à côté de son outil. Donc si on peut poser la question par exemple à Coverhubs, qui a été notre partenaire sur la mise en place des PAPR, hein, où il y a des centres d'appel qui ont été mis en place dans certains groupes. Quel est le rôle d'un intégrateur sur ce sujet? Comment vous accompagnez un groupe qui décide de mettre en place un centre d'appel, et quelle est la plus-value de l'intégrateur? Alors, bonjour à tous. Donc, effectivement, mettre en place un centre d'appel, c'est important. Pourquoi? Parce que tout part finalement du client, et le client est habitué à avoir un certain niveau de service. Donc, pour répondre à cette attente, il faut tout simplement mettre en place les outils qui sont nécessaires. Donc, effectivement, nous, on a, en tant qu'intégrateur, un rôle un petit peu différent de celui de l'éditeur. L'éditeur va fournir en fait tous les éléments logiciels qui permettent de répondre à peu près 80% des fonctionnalités qui sont nécessaires pour toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité. Et nous, en fait, on va répondre en rajoutant des éléments techniques, pourquoi pas aussi des bouts de logiciels supplémentaires, pour arriver à 100% des besoins, finalement, d'une concession. Donc, qu'est-ce qu'on peut apporter, nous, finalement, en tant que service supplémentaire, enfin, en tant que
service pour les concessions. Première chose, des éléments techniques. Voilà, nous, aujourd'hui, on a différentes casquettes, différents métiers en tant qu'intégrateur. Donc, typiquement, par exemple, on va avoir, on est opérateur à l'ARCEP, au même titre qu'un SFR, qu'Orange, par exemple. On va être aussi, on va disposer d'une salle blanche qui nous permettra d'héberger tous les serveurs qui sont nécessaires à mettre en place la solution centre d'appel. Et pour finir, en fait, on travaille avec un éditeur de logiciel, en l'occurrence Altitude Software. Et l'idée, c'est de prendre tous ces éléments-là et puis de fournir une solution clé en main à un client, à une concession directement, dans un mode cloud privé. Donc ça, c'est pour la partie technique. On peut aussi apporter, évidemment, toute notre expertise métier. Voilà, on est aujourd'hui un intégrateur qui, 60% de notre activité aujourd'hui dépend directement des centres de contact. Donc on va accompagner finalement chaque concession d'un point de vue projet, je dirais, en définissant avec eux les attentes par rapport à l'outil, en installant, mettant en œuvre la solution, là maintenant évidemment. Et puis pour finir, en fait, on va surtout former les différentes équipes de manière en fait à les rendre autonomes et qu'ils sachent se servir de l'outil. Très bien. Alors, vous avez accompagné le réseau il y a quelques années sur les centres d'appel des pièces PR. On n'était que sur la voie. Nous avons un deuxième partenaire, Vocalcom. J'aimerais bien savoir aujourd'hui, la tendance n'est-elle pas de partir sur du multimédia? N'est-elle pas de pouvoir intégrer tous les flux qui arrivent dans une concession? Donc j'aimerais bien avoir l'éclairage de Vocalcom Hermès sur ce sujet. Bonjour à tous. En fait, c'est assez curieux parce que lors de l'intervention, nos différentes interventions, on a beaucoup parlé de centres d'appel. Et effectivement, on est dans le monde du centre de contact maintenant, du multicanal. C'est clair que la donnée est le point le plus important. J'ai entendu tout à l'heure l'excellence sur le fait que cette donnée est déterminante. Hein. On peut mettre n'importe quel outil tant que cette donnée n'est pas propre, tant que cette donnée n'est pas entretenue. Hein. Je parle plus de constitution de données, mais surtout d'entretien et de maintien de cette donnée. Ça, c'est le point important. Et dès qu'on va parler de multicanal, on va vite se rendre compte que cette donnée, elle est encore plus prépondérante, même si aujourd'hui, l'interaction entre des canaux qui sont des canaux traditionnels, comme le téléphone, comme le mail, représente quand même 80% de l'interaction. Mais même le passage en magasin est aussi un canal, donc c'est aussi une interaction forte. Les nouveaux canaux sont des canaux importants. Vocalcom a plus d'un millier de positions utilisées au travers le monde. Aujourd'hui, les tendances changent. On est dans un pays un petit peu plus traditionnel. On va privilégier ces canaux-là, mais d'autres sont déjà en avance et travaillent déjà avec des interactions qui vont être des interactions par chat. On sait que le parcours client, l'expérience client font qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout dans une démarche simple. Avant, on se déplaçait dans sa concession, on était identifié au travers d'un numéro de téléphone qui était le numéro de téléphone du foyer. Aujourd'hui, une famille, eh bien, c'est une famille de 4 personnes, c'est 4 numéros de téléphone, c'est environ 3 adresses mail, c'est des pseudo-chats assez importants. Et donc, il va falloir traquer, et il va falloir consolider cette donnée, il va falloir la capitaliser sur cette donnée pour pouvoir créer de l'interaction, à la fois dans une interaction entrante, donc ne pas perdre d'appel, ça c'est simple, mais de l'interaction sortante, du push, pouvoir envoyer de l'information pour de la qualité. Hein, on a parlé beaucoup de ce qu'il fallait faire, mais comment on peut piloter aussi la réussite de son travail, comment on peut monitorer et aller vers l'excellence, c'est aussi pouvoir faire du quality monitoring et utiliser peut-être, alors on en a parlé tout à l'heure, vous en avez parlé tout à l'heure, vous êtes en train de mettre en place une plateforme marketing, c'est très bien, c'est de pouvoir envoyer des messages par SMS pour savoir si le service après-vente ça s'est bien passé, pour toujours créer cette relation. Et je pense que le point le plus important, l'outil est un point déterminant. Tout à l'heure, on parlait de centres d'appel internes ou externes. Nous, en techno, aujourd'hui, on a des technologies qui permettent d'avoir des solutions qui sont partagées. Et pour mettre tout le monde d'accord, je pense qu'à un moment donné, à un instant T, il y a du travail de masse, il y a du travail que les commerciaux ne sont pas forcément capables de faire ou n'ont pas envie de faire, parce que, entre ce qu'on leur dit, c'est peut-être moi aussi, j'ai des commerciaux à gérer, donc ce n'est pas forcément
toujours le plus simple, mais pouvoir faire un certain nombre de tâches en externe et faire aussi un certain nombre de tâches en interne, mais toujours, toujours garder cette relation client importante, permanente, pour créer de l'interaction et créer du rebond business, c'est-à-dire avoir une vue business permanente. Donc ça, c'est ce que peut apporter une solution de centre de contact. Et cette approche multicanale, préparez-vous, même si, et je rejoins encore ce que vous disiez tout à l'heure, même si ça peut paraître inutile au départ, ça vous servira pour les nouvelles générations. Moi, j'ai des enfants qui ont une vingtaine d'années, ils n'ont pas la même démarche que moi pour aller acheter un véhicule. Et donc ça, il faut déjà y penser, ces intégrations, ces interactions que vous aurez avec vos clients, capitaliser pour pouvoir en faire une force pour plus tard. Alors, on va avoir l'occasion de revenir sur le sujet demain, sur la partie téléphonie et informatique, sur la digitalisation et du parcours client, avec des petites vidéos qui vont être un petit peu surprenantes. Alors, bon, on a fait le tour. On a parlé de l'externalisation, on a parlé des bases, on a parlé des outils. Il manque peut-être quelque chose aussi, parce que vous parlez peut-être des hommes, des femmes, des talents, comment recruter, comment former, comment animer. Et là, donc, je passe la parole à une spécialiste. Bon ben bonjour à tous. Donc, vous l'avez entendu, vous avez un certain nombre de clés du succès pour que la mise en place d'un plateau téléphonique ou d'un centre de contact, comme vient de le dire Gilles, fonctionne. Posons comme postulat que vous avez le bon outil, que vous avez les bonnes bases de données, que vous avez forcément pris cette décision d'intégrer un centre de contact en interne, que ce soit maintenant ou plus tard. La question après, c'est une fois qu'on a tout ça, maintenant il faut mettre la sauce, on va dire ça comme ça, et le faire démarrer et faire en sorte que ça fonctionne. Le point le plus important, ça va être évidemment les hommes, faire en sorte qu'ils sachent faire, ça va être les encadrer, les former, enfin des choses qui sont évidentes. Comme l'a dit Gilles Monin à côté de moi, quand on a le bon outil, vous êtes considérablement aidé par la technologie parce qu'il suffit d'appuyer sur un bouton pour avoir beaucoup beaucoup d'informations pour savoir ce que les uns et les autres font. Les appels peuvent être enregistrés, on va pouvoir les coacher. Bon, ça c'est tout ça c'est très très bien, mais si on part par le début, où est-ce que vous les recrutez? Est-ce que vous prenez déjà des collaborateurs qui sont à l'intérieur de la concession? Est-ce que ce sont des gens qu'on va reprendre à l'extérieur? Comment on fait un mix entre tout ça? Est-ce qu'on leur fait téléphoner toute la journée? Est-ce qu'ils téléphonent qu'une certaine partie de la journée? Et puis le reste du temps, ils font autre chose? Ça, c'est des vraies questions. Quelle convention collective et comment on intègre ça? Parce qu'il y a aussi quelquefois des histoires de conventions collectives qui peuvent être importantes. Tout ça, c'est des vraies questions qu'il va falloir se poser. Et la tendance actuellement, et on le voit bien puisque moi, en son temps, j'ai diriger un plateau téléphonique spécialisé plutôt en B2B et qui fait de la technologie de Vocalcom. Donc finalement, vous avez beaucoup de gens autour de la table qui sont équipés de la technologie Vocalcom. Et la tendance du marché actuellement est une tendance d'internalisation. C'est-à-dire que de plus en plus de nos clients veulent devenir autonomes et avoir une équipe en interne qui sache le faire. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin de prestataires extérieurs, soit pour faire des choses qui sont compliquées, soit des choses qui nécessitent des actions spot avec du volume. En tout état de cause, moi je pense que de manière, le marché vous amène naturellement à avoir un centre de contact et pas un plateau téléphonique, un centre de contact en interne, et que c'est une grande, grande force que d'avoir ça en interne, parce que ça permettra de sortir de cette vision que la plupart des gens peuvent nous dire quand on leur parle de centre de contact, c'est ces fameux appels pourris qu'on reçoit le soir à la maison. Et comme évidemment vous n'avez aucunement envie que vos clients imaginent ce genre de choses, la meilleure manière d'être sûr de la qualité des contacts et de la qualité de la relation que vous avez avec vos clients, ben c'est déjà d'avoir ses propres équipes en interne. Former correctement, recruter correctement, qu'on anime correctement. Et c'est somme toute, pour le faire dans bon nombre de métiers, assez facile à mettre en œuvre. Ça se met rapidement en œuvre, à condition de ne pas tomber sur un certain nombre de pièges.
Alors, vous avez parlé de convention collective tout à l'heure. Ça veut dire qu'il faut faire une structure hors convention automobile? Il faut faire une structure à part ou en interne? Disons, ça dépend des contextes. Ça dépend de ce qu'il y a à faire. Il y a un certain nombre d'exemples de sociétés, par exemple dans le monde bancaire, qui étaient des outsourceurs, qui intervenaient chez le client et qui étaient dans les locaux et qui se sont retrouvés fortement embêtés par rapport à ça. L'aspect salarial est un point qui est quand même assez important, parce que si on ne s'y prend pas correctement, on peut vite avoir un prud'homme, et vous avez un certain nombre de syndicats qui font un peu leur chou gras de ce genre de métier. Il faut faire très très attention pour ne pas se retrouver ennuyé par rapport à ça. Nous, dans notre région, on est en Alsace-Moselle, c'est un droit local qui est un peu particulier. Le prud'homme, il est à 45 000 euros. Et même en tant qu'employeur, même si on a un bon dossier, on se fait ramasser en première instance. Il faut aller ensuite dans une deuxième juridiction où là, on va pouvoir gagner. Mais c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de... Donc les hommes, bien, il faut les recruter correctement et surtout faire en sorte d'éviter de partir dans ce genre de polémique. Et vous avez un certain nombre d'instances syndicales qui essayent de recruter des adhérents, on va dire ça comme ça. Donc une structure externe avec une convention collective spécifique peut permettre d'avoir plus de flexibilité horaire, peut permettre une organisation plus facile? Alors évidemment, quand on est tiers extérieur, on peut avoir des équipes qui vont agir en débordement, mais il n'y a rien qui empêche que dans une concession, il y ait des collaborateurs qui travaillent jusque 20 heures, par exemple, pour appeler des particuliers. Il n'y a pas forcément besoin que ce soit le tiers extérieur qui le fasse. Il faut vraiment avoir des horaires qui soient adaptés. Entre je téléphone à du particulier ou je téléphone à du pro, évidemment ce ne sont pas les mêmes horaires. Par exemple sur le particulier, pour ma part, moi j'ai jamais appelé après 20 heures parce que je trouve qu'après il y a un moment c'est assez intrusif. Bon, maintenant sur le pro, c'est d'autres horaires. Et ce n'est pas forcément lié au fait d'avoir un plateau à l'extérieur pour pouvoir gérer ça sur des horaires, ça peut être en interne que ce soit fait. Alors vous allez nous donner des bons tuyaux aujourd'hui. Il faut les recruter où, les bons téléopérateurs, les téléacteurs, où c'est qu'il faut les trouver? Ah ben vous avez une source de recrutement je pense que, je sais pas si tout le monde le sait, mais sur des métiers comme ça, le bon coin, ça fonctionne très très bien. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, Pôle emploi, là c'est pas toujours garanti, il faut juste avoir le bon conseiller chez Pôle emploi qui a bien compris ce métier. Et qui pour... Alors, il faut le trouver. Une fois qu'on l'a trouvé, ça peut le faire. Sinon, c'est la galère assurée. Ça dépend. Après, ça... Il y a des fois qu'il y en a certains qui font le job et ça se passe très très bien. Le bon coin, ça marche vraiment bien. C'est une technique intéressante. Bon, après, on viendra vous raconter que vous avez des sociétés qui font des sociétés d'intérim qui interviennent sur le sujet. En fonction des endroits et de manière assez locale, ça dépend vraiment des intervenants qui sont sur place. Mais le sujet, c'est vraiment d'autonomiser la concession pour faire en sorte que ce recrutement, parce qu'il y a un turnover qu'il y aura, ça fait partie du job, le turnover. Il faut essayer de faire en sorte que les gens restent, mais d'un autre côté, qu'ils ne restent pas non plus trop longtemps si on veut leur faire que ça. Si on est capable de leur donner autre chose, ça peut être un tremplin pour les faire grandir au sein de la concession. Si c'est une équipe qu'on souhaite avoir, qui est une équipe qui ne fasse quasiment que ça, forcément, il y a un moment, ça va lasser. Et c'est difficile de ne pas lasser les collaborateurs. Et à la fin, ils vont finir par devenir un peu mauvais, même s'ils sont managés correctement. Donc il faut s'arranger pour faire en sorte de garder cette espèce d'énergie de manière permanente. Et il y a tout un ensemble de trucs qu'on peut développer pour... faire en sorte que le turnover se fasse naturellement, sans qu'on soit obligé de les pousser, parce que quand on les pousse, on prend le risque de se faire ramasser. Quoi. Alors moi, j'avais la perception que les gens, dans les concessions automobiles, on appelle des clients, on a des vendeurs qui appellent des clients. Mm-hmm. Je crois que c'est une de vos spécialités de les former, puisque vous intervenez dans certains groupes ouais. Peugeot. On a ces compétences en interne? Ah, bon. Disons voir que les vendeurs... on va dire, au mieux, appelle le portefeuille, et encore. Quand ils appellent leur portefeuille, il y a une hétérogénéité extraordinaire d'un appel à l'autre. Et quand on met en place des enregistrements et quand on commence à travailler en coaching, en appel avec ce que chacun peut faire, quelquefois, on tombe de sa chaise. Hein, et on sent qu'il y a une marge de progrès considérable par rapport à ça.
Donc déjà sur la partie les vendeurs appellent le portefeuille, ça c'est déjà, là il y a déjà possibilité de faire grandir les équipes. Après la deuxième chose, c'est le fantasme le plus total qui consiste à espérer que le vendeur fasse de la prospection et fasse de la conquête. Et ça c'est pas forcément évident parce que quelquefois il y en a certains qui, c'est des histoires d'ego et des choses comme ça qui sont pas évidentes à gérer quelquefois. Mais déjà sur le vendeur hein, qui appelle et les professionnaliser sur le fait de les faire appeler correctement le portefeuille, il y a une marge de progrès considérable et sont somme toute pour à chaque fois intervenir. À chaque fois on se dit mais ça fait quand même 20 ans, 25 ans qu'ils appellent leur portefeuille et quand on écoute les appels qu'ils envoient après avoir mis en place des enregistrements qui se mettent d'ailleurs qui se mettent en place facilement, on est quelquefois assez atterré par ce qu'ils peuvent raconter et la manière dont c'est fait. D'accord, donc on est plutôt sur des vendeurs freestyle qui... Ah ben, on est totalement, il y a une grande, grande croyance qui est que ben, quand j'aurai la personne, eh ben, j'aviserai. Et alors ça, c'est le contraire de ce qu'il faut faire. Il y a zéro freestyle, zéro improvisation, tout doit être travaillé, réfléchi, et parce que, pour une manière qui est très très simple, dans toutes les campagnes d'appels et de prospection que moi j'ai pu faire pendant, je sais pas, 15 ans, 18 ans, quoi que vous vendiez, que ce soit dans l'automobile ou n'importe où, la durée moyenne de l'appel, c'est une durée moyenne de l'appel qui est très courte, et pour obtenir un oui de l'autre, vous avez, en fonction des sujets, entre 3 minutes 10 et 3 minutes 20 secondes pour obtenir un oui. Donc il n'y a aucune place à l'improvisation, et quand je l'aurai au téléphone, j'aviserai et on verra ce qu'on lui dit, quoi. Alors, comment est-ce qu'on forme un télévendeur? Vous m'avez parlé de musique la dernière fois, enfin, je n'ai pas tout compris. C'est quoi le truc? De musique? Non, de théâtre. Hein. De théâtre. De théâtre, oui, de théâtre. Et de musique. Bon, de musique, oui. Disons voir que nos équipes, on les forme... En fin de compte, on essaye de les former pour que ça fasse très conversation au coin du feu et que ça fasse extrêmement naturel dans la manière dont l'appel est fait. Même si c'est extrêmement technique derrière, puisque c'est même beaucoup plus technique qu'un entretien en face-à-face, puisque si vous n'avez que 3 minutes et 20 secondes pour obtenir un oui de l'autre, et qu'il n'y a pas de place à l'impro, ce qu'on n'aime pas, et tous les soirs on a ce type d'appel, c'est les appels lus, plaqués, on sent que l'autre en face il n'en a rien à taper. C'est certainement pas ce genre d'appel que dans les concessions d'automobile on a envie d'adresser à ses clients. Bon, et puis on est à la différence des quelques mauvais qu'on a le soir à la maison, qui eux jouent sur un terrain de chasse important, puis ils appellent dans toute la France. Vous vous appelez en local, et en local, c'est pas un puits sans fond, ces clients, vous allez les retrouver. Donc, à partir du moment où ils ont une image qui n'est pas terrible, et d'autant plus que vous êtes présenté et que demain l'équipe se présentera, le numéro qui s'affichera, ce sera le vôtre. On est identifié, c'est pas des appels incognito. Donc on a zéro droit à l'erreur, il faut que l'image de marque qui soit envoyée soit topissime. Et donc évidemment, il faut que ce soit absolument pas lu, absolument pas récité. Et c'est, pour faire simple, c'est exactement le contraire des appels qu'on déteste le soir quand on peut avoir chez soi à la maison pour bon nombre. Donc sur la manière de faire, c'est beaucoup de formation pour arriver à ce niveau de maîtrise un petit peu à la Fabrice Lucchini. On forme nos équipes avec Fabrice Lucchini sur ce genre de technique où lui, quand on le voit faire son numéro de claquette sur scène ou n'importe où, on a l'impression qu'il est en total impro. C'est pas du tout de l'impro. Il maîtrise tellement son truc que ça vous donne l'impression que c'est de l'impro. Et donc, pour avoir ce supplément d'âme qu'on va avoir besoin d'aller chercher dans les équipes qui vont téléphoner, on aime bien bien recruter. Vous me posiez la question de savoir où est-ce qu'on va les chercher. Moi, j'aime bien les chercher dans les clubs théâtre, en l'occurrence, où, par exemple, chez nous, on a un opéra. On aime bien aller les chercher à l'opéra, parce que ça va être des gens qui ont le sens de la scène et qui vont être capables d'enchanter l'autre et de lui faire passer une énergie qui est celle de la concession pour laquelle il travaille, quoi. Vous vouliez nous faire un petit test, je crois. Oui. Bon, alors le petit test, c'est très drôle. Pour vous montrer et vous illustrer le fait qu'il n'y a pas de place à l'impro, on a une phrase, et notamment sur les... j'en ai encore utilisé ça sur des équipes commerciales dans une concession
avec des cadors, avec des équipes qui pensaient savoir et qui commençaient par nous dire qu'ils n'avaient pas besoin d'être formés parce qu'ils téléphonaient depuis longtemps. Alors en ouverture, on leur a donné cette phrase qui est « Le produit que je souhaite vous présenter est actuellement le seul sur le marché qui soit entièrement automatique. » Bon, ça c'est une phrase à dire au téléphone qui est bien sûr très longue. Et le sujet, c'est de respirer, parce qu'il va falloir prendre son temps, puisqu'on est au téléphone, l'autre ne vous voit pas. Il faut se poser par rapport à ça, puisqu'on est en auditif pur. Et donc, on fait toujours un tour de table avec les gens qu'on a en formation. On leur dit, voilà, vous respirez là-dedans, entre le début et la fin où il y a le point, où est-ce que vous allez respirer. Et là, c'est très, très drôle, parce que vous avez, quand je dis la quasi-totalité des gens, vous avez... sur 500 personnes, vous en avez 495 qui vont vous faire les choses de la manière suivante. Ça va donner le produit que je souhaite vous présenter, là je respire, est actuellement le seul sur le marché qui soit entièrement automatique. Alors, monsieur Muller, souhaitez-vous que je vienne mardi à 10h? Enfin bon, après c'est la suite. Et donc, quand on fait cette phrase en formation, tout le monde respire sur après présenter. Et si vous respirez après présenter, qu'est-ce qui va se passer? Pendant que je vous le refais, hein, le produit que je souhaite vous présenter, pendant que je fais, Madame Michu qui est en face me dit non, mais il n'y a rien à venir me présenter, ça ne m'intéresse pas. Et là, ça s'appelle se tirer une balle dans le pied, et là, de rendez-vous et de contact, on ne va pas en avoir du tout. Donc s'il y a bien un endroit où vous ne pas respirer, c'est bien celui-là. Et c'est très drôle, parce que cette phrase-là, on l'utilise depuis des années, depuis, je sais pas, depuis 20 ans en formation, et rares sont les équipes qu'on a naturellement et spontanément, avant qu'on leur ait expliqué, qui respirent au bon endroit. Et le bon endroit dans cette phrase, alors, à votre avis, c'est où l'endroit où je peux respirer? Voilà. Évidemment, ça va être le seul. Et ça va donner... Le produit que je souhaite vous présenter est actuellement le seul... Là, j'ai le temps de respirer. L'autre, il attend. Hein, sur le marché, qui soit entièrement automatique. Alors, monsieur Muller, souhaitez-vous que je vienne mardi à 10h ou mercredi à 11h? Donc, entre le savoir et pas le savoir, ça fait une différence. Et là, vous avez un taux de prise de rendez-vous qui est du simple au double. C'est juste ça, l'histoire. Ce qui veut dire que ça, il faut l'expliquer aux équipes. Et ce n'est pas parce qu'on a juste des équipes qui ont de l'optimisme, qui ont une espèce d'énergie positive, parce que ça, c'est critère de sélection. Normalement, quand on recrute sur un plateau téléphonique, quand on est patron de centre d'appel, on devrait écluser tout Pôle emploi, nous, tout seuls. Hein, parce que le critère, c'est juste avoir du soleil, de la pêche et de l'énergie. Donc, normalement, on peut espérer qu'il y en a quand même qu'on trouve comme ça. Et bien, c'est un peu plus compliqué que ça, trouver des gens qui soient péchus de manière permanente et qui aient cette capacité à faire passer en très peu de temps un enthousiasme, qui est l'enthousiasme de la concession. Quoi. Et... Vous avez vu, donc, qu'il y a du boulot. Donc, on a essayé d'aborder sur un format très court. Vous avez vu, il y a plein de métiers sur ce plateau. Il y a tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, donc c'était très compliqué. Ça a été vraiment ma perception quand j'ai commencé à traiter le sujet, que attention, là on rentre dans quelque chose de très important. Tout n'est pas traité, alors pour revenir sur la dernière prestation, on va reprendre des scripts et on va remettre de la musique dessus pour essayer de vous donner les moments où il faut s'arrêter, respirer. Alors, on a la professionnelle, donc on va essayer de vous envoyer tout ça. Ce que je voulais dire par là, c'est que donc on a commencé par la partie externe, pour vous donner des informations sur nos travaux. On est en train de finaliser des accords sur la partie outils. Donc il y a un certain nombre de sites pilotes, il y a 7 groupes qui travaillent avec nous, qui testent des outils, de façon à ce qu'on en sélectionne un ou deux. Pourquoi un ou deux? Parce que, je parle au nom de Julien, mais la marque est dans une logique d'interfacer ses outils avec ses outils de centre d'appel. Donc il y a un vrai travail de... Genre, on est un petit peu au bout, donc après on va parler un petit peu d'argent. L'idée, c'est d'essayer d'optimiser ça en termes de coûts pour vous. Ça s'achète par position, donc on part plutôt sur une logique d'acheter des positions sur le cloud. Donc un groupe qui veut créer un centre d'appel avec 3 positions ou 30, mais bénéficiera d'un achat qu'on va essayer de grouper sur 50 ou 100 positions. Voilà ce qu'on est en train de faire. Petit passage, message, on attend vos propositions, enfin, on est en cours de finalisation. C'est quelque chose qui va être terminé, parce que la marque met la pression, ça devait être fait pour fin septembre, d'ici une dizaine de jours. On est en train évidemment d'aborder aussi toute la partie téléphonie, parce que vous avez compris que tout n'est pas compatible et qu'il faut se poser la question en même temps. La partie formation, on l'a. On a finalisé la partie mobilier, la partie casque, la partie insonorisation des centres d'appel.
Voilà, c'est, on va dire, c'est la première étape. Voilà où on en est aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont travaillé avec nous. Merci de cette intervention. Ce n'était pas facile parce que j'ai dû vous limiter à certaines interventions. L'objectif, c'était de vous donner des informations sur un délai très court, sur un sujet que vous avez tous dans vos portefeuilles à gérer, sur une échéance qui est très très proche. Merci bien. Il n'y a toujours pas de pause. Il y a une pause. Donc il y a une pause.